prenons dans Malachie chapitre 4. Ozibuka Malachie mokapwa mine. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Obanda molongo ali bosotso na motoba. La parole de Dieu, vous pouvez la lire, la relire, la relire. Et vous allez voir que ça ne ferait que se renouveler à tout. Amen. Amen. C'est une parole mystérieuse. Dit car voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante et vos pieds. Au jour que je prépare, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu, cette écriture s'est accomplie. Nous sommes à la lumière du soir. Au message du soir. Au résultat du soir. À la manifestation du temps du soir. Au signe du soir. À la puissance du soir. À la semence du soir. Ô Père, cette parole s'est accomplie. Bénis sa lecture. Bénis les oreilles qui entendent. Le cœur qui la garde. Bénis chacun. Nous sommes ici pour accomplir ta volonté. Nous ne venons pas pour nous faire plaire. Mais Seigneur, plaire à Dieu. Seigneur Jésus, laisse que toute puissance des ennemis, contraire à cette réunion, tout esprit démoniaque, tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur, avec tous les objectifs de nuire la réunion, qu'ils échouent et qu'ils s'éloignent loin de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ta miséricorde, ta présence surnaturelle. Ô Père, Tata, manifeste ta gloire. Talisa kembona, que les idées de Satan, Satana, que les projets de Satan, Satana, échouent. Ekwea, que le Saint-Esprit santu, gagne. Alonga, Père, Tata, je me remets entre tes mains. Mabokona, et je remets l'auditoire entre tes mains. Mabokona, mon frère qui m'interprète entre tes mains. C'est temps entre tes mains. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je ne connais rien. Circoncis mes lèvres. Lave-moi par ton sang. Traite-moi par ton amour miséricordieux. Il n'y a rien de bon à moi. Car je suis un homme
sujet à la faiblesse. Il n'y a rien dans cette assemblée. Mais tout ce que nous savons, nous avons l'homme le plus fort qui a vaincu les faiblesses. Son nom est Jésus-Christ. Celui qui nous rend forts. Le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit. Qui nous accorde. Oh Père éternel. Et qu'à son nom, Seigneur, à son nom éternel, accorde-nous, Seigneur, tout ce que nous avions besoin. Ramène-nous plus près et dans ta présence. Remplis-nous d'ardeur de ton amour. Accorde-nous la révélation de ta personne. Accorde-nous la foi parfaite. Conduis-nous sur tes sentiers. Place-nous sur les chemins de la gloire. Remplis-nous d'ardeur. Seigneur, de tes bénédictions, des bénédictions qui sont produites par la parole parlée et révélée de ces jours. Accorde-nous cela, Seigneur. La révélation de ta personne, la connaissance de Dieu, afin que nous parvienions, Seigneur, quelque part ta parole dit. Oh, mon peuple périt par manque de connaissances. Par la connaissance de la science. De la connaissance de Dieu. La sagesse de Dieu. Oh, l'intelligence de Dieu. Remplis-nous de cela, Seigneur. Que je sois un instrument, Père. Je me remets sur le chemin du devoir. Utilise-moi pour ta gloire, Seigneur. Viens, ramène-nous-en plus près avec toi, Jésus. Nous prions pour ceux qui ne sont pas encore ici. Pardonne leur état. Accorde leur présence. Et assiste les absences. Oh, là ils sont, Seigneur. Que l'ennemi ne les atteigne pas. La gloire te revienne paix. L'honneur te revienne paix. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres. La puissance négative. Il n'est pas capable de dire amen à la parole de Dieu. Qui s'oppose et qui se rébelle. Soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Bénis la lecture de ta parole. Bénis ta présence au milieu de nous. Bénis soit le nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au jour de la voix du septième ange, quand il sera levé à ton père, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Amen. Alors, il dit, il ramène le cœur des pères à leurs enfants, à leur père. Et nous sommes au jour où il ramène le cœur des enfants à leur père. Amen. Amen. Parce que le cœur des pères à leurs enfants, c'était l'Élie qui s'appelait Jean-Baptiste. Amen. Amen. Il était la voix qui criait dans les déserts. Il devait préparer le chemin de la venue de Christ. C'était la première venue de Christ. Et dans la première venue de Christ, c'est là que nous l'appelions le Fils de l'homme. Fils de l'homme, autrement prophète. Le Fils de l'homme, c'était la première venue. Amen. Amen. Mais le Fils de l'homme, quand il est parti, il avait promis qu'il reviendra pour la seconde fois. Et là, il ne sera plus le Fils de l'homme. La seconde venue, il sera maintenant le Fils de David, le roi, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Quand il revient pour la seconde venue, alléluia. Amen. C'est pour enlever le pouce. Qui dit amen à la parole. Est-ce que nous aimons cela? Il viendra pour enlever le pouce. Alors nous parlons sur le sujet. Les mystères cachés censés être révélés par le septième ange. Qui est le septième ange? Ça veut dire que ange autrement veut dire messager. Qui est le septième ange? S'il y a eu un septième ange, c'est qu'il y a eu un premier ange. C'est qu'il y a eu un second ange. C'est qu'il y a eu un troisième ange. C'est qu'il y a eu aussi un quatrième, un sixième,
jusqu'à un septième. Amen. Amen. Vous voyez que les sept anges, c'est pas quelque chose qui est fabriqué. C'est la vision de Patmos. C'est Apocalypse chapitre 1, chapitre 2. Amen. Amen. C'est la révélation du Seigneur Jésus. C'est Jean l'apôtre. Amen. Amen. Étant dans l'île de Patmos, il reçut ses visions. Et quand il reçut ses visions, la voix lui a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier né de toute la création. Amen. Amen. Et cette voix qui lui parlait, c'était la voix du Seigneur Jésus. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le premier né de toute la création. C'était sa révélation. C'était ses visions. Et vous savez que Jésus, il vient pour clôturer l'histoire de la création. Pour ramener et donner la réponse au problème de l'homme. Parce qu'après la création, la création a été empoisonnée par le péché. Et depuis que le péché est devenu, la solution du péché n'a jamais été trouvée. Mais quand Jésus est venu, il a mis fin. Alors, il représente toutes choses. Le plan de la rédemption, le plan du salut, tout Dieu l'avait placé en lui. Il n'y a pas du chemin du ciel sans Jésus. Et quand l'église efface le nom de Jésus, cette église est perdue. Même William Branham n'était pas mort à la croix pour tes péchés. Jésus est mort à la croix pour les péchés de William Branham. C'est celui qui dit Amen, lève sa main. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je me fais comprendre? Les mystères cachés sont censés être révélés par les septièmes anges. Alors nous avions dit que parmi de ces mystères, ces grands mystères qui met fin à tous les mystères, amen, c'est le mystère de cet honneur. Et ce mystère de cet honneur, amen, c'est là que le prophète de Dieu dit, quand un livre est terminé, c'est le tour. Amen, amen, amen. Quand un livre a pris fin, on voit la page du dos. Mais ce mystère-là n'était pas à l'intérieur. Mais cela était au dos du livre. Il dit, Jean savait ce que cela voulait dire. Jean le savait, mais la voix lui a dit, ne l'écris pas. Mais au jour de la voix du septième ange, que le septième ange dit, amen. Amen. Il est dans les âges de l'église. C'est ça la révélation du Seigneur Jésus. Il a donné à son serviteur Jean pour montrer au monde les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Et vous allez voir que le livre de l'Apocalypse est un livre symbole. Et beaucoup de choses. Amen. Amen. Il y a eu des choses. Il y a eu la parole. Il y a eu des visions qui étaient dedans. Il y a eu des choses révélées, mais il y a eu aussi des choses cachées. Mais les choses cachées, l'Apocalypse dit, à la voix du septième ange, le dernier ange, il mettra fin à tous les mystères. À tous les mystères. Et dans ces mystères, nous avons parlé beaucoup de mystères. Et ce soir, nous parlerons du 15e mystère. Ça fait beaucoup de temps que nous sommes dans cet enseignement. Nous parlerons du son de la trompette. Amen. Amen. Nous avions parlé beaucoup de mystères. Parce que quand les gens lisent des brochures, ils ne voient pas ces mystères. Parce que la révélation n'a pas été donnée à tout le monde. La révélation a été donnée pour les élus. Si tu es un élu, tu reconnaîtras la voix de l'Éternel. Tu sauras que ça c'est la vérité. Ça c'est pas la vérité. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La profondeur appellera la profondeur. Le Fils saura, ça c'est la vérité, et ça c'est pas la vérité.
qui devait mettre terre à tout le mystère. C'est un mystère au singulier, mais qui contient beaucoup de vérités cachées. C'est ce que nous appelons les tonnerres. Apocalypse 10, 5. À la voix du septième ange, quand il a le serré, les mystères de Dieu prendront fer. Jean dit, il allait écrire, la voix lui a dit, ne l'écris pas. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, le mystère qui était écrit, c'est le mystère qui était à l'intérieur du livre. Vous allez voir qu'à l'ouverture du premier saut, il y a eu un cavalier sur un cheval blanc. À l'ouverture du second saut, il y a eu un cavalier sur un cheval rousse. À l'ouverture du troisième saut, il y a eu un cavalier sur un cheval noir. Et chaque cavalier avait un mystère rattaché. Mais au jour de la voix du septième ange, il saurait c'est quoi les cavaliers sur les chevaux blancs, c'est quoi les cavaliers sur les chevaux noirs, c'est quoi les cavaliers sur les chevaux pâles. Amen. Amen. C'était des choses cachées, mais qui devaient être révélées au temps du soir. Parce qu'au temps du soir, Dieu avait une église avec un peuple spécial qui devait recevoir ce message. Et ce peuple là, c'est vous. Qui dit amen? Est-ce que je vous fais comprendre? Maintenant, le message du septième ange, écoutez-moi bien. Le message du septième ange, quoi qu'il a guéri les malades, quoi qu'il a révélé les secrets de cœur, quoi qu'il a chassé les démons, mais son message, c'est le troisième pôle. Je vais entendre les amens. Son message, c'est le troisième pôle. C'est là que les élus sont scellés. Amen, amen. Amen. C'est là que les élus sont scellés. C'est là que la révélation capitale est donnée à l'épouse. Parce que le troisième pôle, c'est la parole révélée. La présence de Dieu est déjà là. Est-ce que vous me comprenez? Le troisième pôle, c'est la parole révélée. Et quand la parole est révélée, il n'y a plus autre chose, mes frères. Au jour de la voix du septième ange, quand il annoncerait le mystère, serait terminé. La Bible n'a pas dit au jour de la voix du huitième ange. Est-ce que vous me comprenez? La Bible n'a pas dit au jour de la voix du neuvième ange. Septième ange. Si William Branham avait le septième ange, alors les mystères sont révélés. Prenez. Dans question-réponse numéro 4, prêché par lui-même, le 30 août 1964, paragraphe 77, on lui posa cette question. Question 395, les sept tonnerres qui équivalent aux sept mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les sept sceaux? Mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres. Il dit non. Ils ont été révélés dans les sept sceaux. C'est à cela que le tonnerre sera porté. Il devait révéler les sept tonnerres qui ont fait entendre leur voix, et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était, mais il lui fut interdit de l'écrire. Il dit, mais le septième ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les sept mystères des sept tonnerres seraient révélés. Ça, c'est la réponse de William Branham. Si les tonnerres sont révélés dans les sceaux, il dit la révélation des sceaux qui sont à l'intérieur ont révélé les sceaux qui sont à l'extérieur. Mais toi, le grand pasteur d'aujourd'hui, tu dis que les tonnerres ne sont pas révélés. Mais Branham, qui est le prophète de l'art, qui a prêché ce message, il a dit que les tonnerres sont révélés. Qui nous allons écouter? Toi ou le prophète de l'art? Toi ou le révélateur?
La révélation n'a pas été donnée à tout le monde. Quand je lui prêchais, ce n'est pas tout le monde qui les comprenait. Il y avait ceux qui comprenaient et il y avait ceux qui se rébellaient. Et les mêmes choses sont encore aujourd'hui. Il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui s'opposent. Il y a des gens qui se rébellent. Vous allez dire, est-ce qu'au temps de Jésus, Jésus n'avait pas les miracles? Jésus avait des miracles. Mais ces gens-là se rébeller toujours et il sera là toujours. Ce sont que des esprits qui changent de personne à personne. Pourquoi mon frère, si tu n'es pas le fils de Dieu, tu ne recevras pas la révélation. Un croyant qui est révélé, c'est un croyant qui connaît la valeur de Dieu. C'est un croyant qui connaît la valeur de la parole de Dieu. C'est un croyant qui connaît la valeur d'un serviteur de Dieu. Mais quand un croyant n'est pas révélé, c'est un croyant qui vit dans l'ignorance. Il va vivre dans l'ignorance. Sa vie chrétienne sera dans l'ignorance. Il fera des choses dans l'ignorance. Parce que c'est un croyant qui n'est pas révélé. La révélation n'a pas été donnée à tout le monde. Le message n'est pas à la recherche de tout le monde. Le message est à la recherche des élus du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire, même si le pasteur veut avoir beaucoup de membres, c'est pas tout le monde qui a été attiré. C'est pas tout le monde qui a été élu. Les élus sont minoritaires. Quoi que nous les pasteurs, nous voulons faire un peu beaucoup de membres, mais le royaume des cieux n'est pas un royaume de la quantité. C'est un royaume de la qualité. Parce que le ciel n'a pas été fait pour tous les hommes. Mais il y a un peuple minoritaire. Il dit, ce qui se passa au temps de Sodome arrivera demain à l'avènement du Fils de l'homme. Au jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Et le prophète dit, aujourd'hui, l'écriture s'est accomplie. Le Fils de l'homme est apparu à notre jour. Nous sommes dans la révélation du Fils de l'homme. La révélation du Fils de l'homme. C'est ça qui rend un croyant surnaturel. La révélation du Fils de l'homme, c'est ça qui amène Jésus dans l'humain. La révélation du Fils de l'homme, c'est ça qui fait que Dieu puisse se faire chair. La révélation du Fils de l'homme, c'est ça qui a ramené la colonne de feu. C'est ça qui a manifesté le ministère du Seigneur Jésus. Le ministère du Seigneur Jésus est un ministère. Est-ce que vous dites amen? Qui devait chasser les démons? Qui devait guérir les malades? Qui devait révéler la parole? Qui devait révéler les ténèbres? Qui devait révéler les secrets des cœurs? Le ministère du Seigneur Jésus est encore de retour aujourd'hui pour manifester le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme manifesté, c'est le Saint-Esprit. Non, le mariage et le divorce, par grâce. Le prophète dit, et cette question est une question biblique. Nous sommes invités ici à croire qu'il doit y avoir une vraie réponse à tous les secrets cachés qui a été caché depuis la fondation du monde. Et la Bible prophétise et dit, qu'en ce jour-ci, ces secrets seraient divulgués. Apocalypse 10. Et quand le septième ange, le messager de l'Odyssée, sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait révélé. Et cet âge est le dernier. Et le cause Kwasuka. Qui est celui de l'Odyssée. Il dit, cet âge se terminerait à l'enlèvement. Est-ce que vous me comprenez? Et quand l'épouse va, l'âge prend fin. Et le monde continuera comme si de rien n'était.
Le Saint-Esprit quitte l'église. Il dit, vous aurez la disparition d'un certain nombre de chiens. Ce n'est pas l'enlèvement qui est prêché dans les églises aujourd'hui. Ils sont enlevés. Et après on l'enterre. Ils passent maintenant à la résurrection. Ça c'est Dieu mal compris. Qui a été leur père spirituel? Qui leur avait inspiré de fausses doctrines? Sortez dans ces fossés. Une personne ne peut pas passer dans deux processus en même temps. À la tombe et à l'enlèvement. On n'a jamais vu la tombe de l'autre. Mais il s'est enlevé. On n'a jamais vu la tombe de l'île. Mais il s'est enlevé. Mais comment ces gens-là ils sont enlevés? Mais vous allez encore dans leur tombe. C'est Dieu mal compris. Est-ce que vous comprenez? La révélation est ici. Alléluia. Amen. Et quand ils sont rentrés dans la forêt, ils sont ressortis, ils sont plus ressortis. Perdus dans la forêt. Manque de la révélation. Alléluia. Amen. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Amen. C'est pour appeler les élus du Seigneur. Amen. Amen. Donc Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964. Paragraphe 336, le prophète dit, mais maintenant, comme Apocalypse 10 l'a promis, tous les mystères de Dieu qui avaient été cachés dans les pages pendant toutes ces années arriveraient à maturité. Seraient divulgués dans l'âge du message du septième ange. Et c'est vrai. L'assemblée dit amen. Quand il dit il y a un an et six mois, presque deux ans maintenant, va à Tucson. Tu seras au nord de Tucson. Une grande explosion. Et ce qui se produirait, les seaux seraient ouverts. Les seaux qui révèlent ces choses, point. Les seaux qui révèlent les tonnerres, point. Alléluia. Amen. Il faut leur demander pourquoi tous les canons Sabino, qu'est-ce qui s'était passé à canon Sabino? La vision de Tucson, qu'est-ce qui s'était passé à Tucson? La constellation de sept anges, c'était quoi? C'est là, non? Et après, il a été enlevé dans la constellation de sept anges. C'est là qu'il a reçu des choses là-bas. Est-ce que vous dites amen? Et quand il a reçu toutes ces choses là-bas, c'était la révélation de toute la parole. Et quand il parle du rocher blanc, il n'y avait aucun nom qui était écrit dedans. Et il voyait le rocher blanc, un rocher qui était blanc. Il parle d'une manne cachée, une révélation spéciale. Est-ce que vous dites amen? Et cette révélation spéciale, cette manne cachée, c'était le tonnerre. La parole de Dieu, c'est le tonnerre. Aujourd'hui, le message du septième ange, c'est révéler le cœur des enfants de Dieu. C'est révéler le mystère de Saint-Tonnerre. C'est révéler le même Jésus qui avait marché avec Pierre. Le ramener encore aujourd'hui et reproduire les mêmes œuvres qu'il produisait. Amen, amen. Amen. Il dit, c'est parfaitement juste. Qu'est-ce? C'est la main de Dieu. Il dit, voyez, je suis revenu exactement comme il a dit. Ça ne peut pas être de l'homme. C'est parfaitement juste. Chaque fois, il dit, qu'est-ce? C'est la main de Dieu, vous voyez? Et parce que dans un petit groupe voilé dans la chair humaine, c'est voilé au monde extérieur. Il est caché au monde extérieur. Il se révèle aux petits enfants qui sont disposés à apprendre. Il dit Apocalypse 10. Et
révèle le mystère de Dieu. Il dit, excusez-moi, dans Dieu dévoilé 340, il dit, je parle de la révélation. C'est qu'il est censé faire. Voilà de quoi il s'agit. Et maintenant, alors qu'Apocalypse 10 est révélé. Et Apocalypse 10, ça parle de Branham. Et Branham dit, c'est révélé. Et toi, tu dis, c'est pas révélé. Et toi, tu es le prophète de Branham. Tu dois prêcher à Branham la parole. Je termine parmi eux, ils ont péché le troisième Adam. Frère, non. Quand ils ont péché le troisième Adam, après ils ont jeté la télé à la terre. Après ils ont encore acheté de gros écrans de télévision. Mais ils ne savaient pas que le problème c'était sur l'utilisation. Même le téléphone, quand vous l'utilisez mal, ça peut cochonner le péché. Le téléphone Android est plus dangereux que la télévision. Et surtout quand il y a l'internet à l'intérieur, pitié. Amen. Amen. Voyez mes frères. Il dit que l'Apocalypse 10 est révélé. Oui. Les mystères de Dieu sont manifestés. Divulgués tels que promis dans le livre scellé de sept sceaux. Et maintenant de votre foi en lui, qui est la parole. En effet, dans Apocalypse 10, il est dit, plutôt dans Apocalypse 19, Apocalypse 10, de prendre ça, mais ce n'est pas dit, dit. Quand il, dans Apocalypse 19, il dit, quand il reviendra, il sera appelé la parole de Dieu. Sur un cheval blanc. Et ses disciples du ciel le suivront. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit, voyez, brisez le voile dénominationnel de l'instruction. Brisez le voile dénominationnel de la tradition. Brisez ce voile-là qui le cache. Le voile qui cache Jésus. Le voile qui rend Jésus un mystère caché. Brisez ce voile-là. Il n'est plus un mystère caché. Il est un Jésus révélé. La même année qu'il peut se manifester, il peut dévoiler le secret des cœurs des gens. Il n'est plus un Jésus caché. La même année qu'il peut se manifester dans l'individu. La preuve année qu'il peut descendre comme il était en Galilée. La preuve année qu'il est descendu encore dans la colonne de fer. La paternité de Dieu. Est-ce que nous disons amen? La preuve année qu'il est Dieu manifestera. Le Fils de l'homme révélé. Alléluia. Amen. Et il vous protège contre les tentations, contre la puissance du diable. Et Jésus vivant, s'il est caché, tu ne verras aucun signe. Amen, amen. Amen. Mais s'il est révélé, il fait de toi un petit Dieu. Amen, amen. Amen. Il vous verrez le Dieu tout-puissant dévoilé. Vous le verrez juste parmi nous, ici. Dévoilé, le Dieu puissant. Amen. Amen. Regardez comment il est descendu le dimanche. On n'allait plus avoir des chaises vides. Si les chaises continuaient à être vides, c'est qu'il y a des incrédules. J'ai demandé les sept. D'autres ont reçu les sept esprits. Hey, mes frères. Réveillez-vous. Olamuka. Réveillez-vous. Olamuka. Je vous ai dit, une grande église de Pointe-Noire. Pointe-Noire. Près de 500-600 membres. Amen. Amen. Ils sont en train d'organiser une campagne d'évangélisation. La campagne d'évangélisation. Hier, ils m'ont envoyé le message, dit, passez, envoie ta photo, on va mettre dans les affiches. Et ça sera du 9 au 12 juin. Regarde comment ils sont en train de reconnaître les dons de Dieu dans votre passé. Une grande église bien bâtie. Il y a un pasteur qui m'a écrit, dit, pasteur, tu es un ministère puissant, tu es Dieu. Un pasteur aussi de Pointe-Noire. Frère,
Ce que koki komono nzamba zo salate. Okopamba malisute, okozala bloqué, tu n'iras jamais de l'avant. Même si à qui Jésus à Galilée et à Salim ira. Oko avancer. Parce que ça incrédible. Vous savez en à Jérusalem là-bas, à Jéricho, un miracle seulement toute la ville croyait. Mais c'est que les gens quand ils voient Dieu agir, ils n'invitent personne. On a besoin de Philippe et de Nathanaël. Venez chez nous. Viens et vois. On a besoin de ces croyants. Pas de croyants qui voient Dieu agir. Mais qui sont en train de cacher la lumière. Wandokio en croyant. Wamotele mi à Jésus. Au freiné œuvre. Au pongo la mitem. Aujourd'hui, l'étape finale des miracles, c'est quand un homme dit reçoit le Saint-Esprit. Et tu reçois le Saint-Esprit. Mota bongo ke banayi. Même les démons vont faire les miracles. Mais arrivé à l'étape où un homme dit reçois le Saint-Esprit et tu le reçois aussi. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. C'est ma un fils de Dieu. Diable a zo distraire bino. Boutique à distraction. Bola moukana pongi. Bokomona oyo nani bomona te. Amen. Et Dieu sera de plus et davantage. C'est les croyants qui sont révélés. Amen. 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 Le pasteur qui fait la campagne, il m'a dit, pasteur, dans mon église, chaque fin du mois, on me donne 1 million pour le carburant seulement. Bon, là, il ne m'a pas flashé son salaire. Pour son carburant, l'église lui donne 1 million. Mais parfois, il y a de l'autre côté. Mais parce qu'il faut forcer, il se dit, il y a qu'à consommer là, il y a qu'à consommer là. Amen. Amen. J'ai écouté. Ayoki na fadi na kaka sui na bi bana mai boza wapi. Alléluia. Amen. il dit chez moi chaque fin du mois j'ai mis 1 million de francs juste pour les carburants de la voiture. Vous devez soutenir l'évangile pour être béni. Et c'est nous sur la samaran pas beau pas mal main sur bois kaka boy na ba goutte beaucoup tourner qu'un rond point. Bozoga baninga kuna bazo avancer. Nazo la musabino, quand je vous dis ça parce que je vous aime, je suis en train de vous réveiller. Nazali ko la musabino. Vous devez entretenir le ministère. Et Seigneur bo usunga lotomo. Amen. Amen. Na sali bané belé, ordinateur aga batterie koufi. Mais ceux qui ngamo na ko son batté, j'allais continuer à souffrir là. Où est la longue chargeur? Parce que vous sommes un ordinateur. Vous sommes un ordinateur. Beaucoup pas moi. Amen. Amen. Oh mes frères. La révélation fera que vous connaissez la valeur de la chose. Vous l'entretenez. Et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Il dit, voyez. Qu'est-il arrivé sur le Sansit Mountain? À la montagne de Sansit. Brandi, c'est Dieu confirma sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu confirma de nouveau sa parole promise dans Apocalypse 10, 1 à 7. Quand on n'a pas d'Apocalypse 10, 1 à 7, il parle étonné. Alléluia. Amen. L'étonnant, c'est ça la nourriture de l'épouse. C'est ça la manne cachée. C'est ça la révélation pour l'épouse. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut comprendre la révélation. L'enfer n'est pas éternel. Alléluia. Amen. C'est qu'Adam et Ève avaient mangé. Alléluia. Amen. Ce n'était pas une pomme. Alléluia.
C'est un acte illégal avec la femme d'autrui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Bon, sur le mystère de la translation de l'épouse. Alléluia. Sur le mystère du royaume des cieux. Sur le mystère de la semence du serpent. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça, 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 c'est sur ces vérités-là qui ramènera la foi parfaite. C'est ce que nous appelons la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement sortira dans la révélation de cette loi. Si les ténèbres ne sont pas révélées, il n'y aura pas de vie dans l'événement. Ils ont mal compris les choses, mais ils sont rentrés dans la forêt et chacun a attrapé Dieu mal compris. Avec les brochures et les photos, les brandons, mais pas de révélation. Et dans ces cas-là, ils ne peuvent pas manifester l'Évangile. Vous comprenez? Ils ne pourront pas manifester le vrai Jésus. Parce qu'ils sont encore cachés dans l'herbe. Quand un homme, quand une église n'est pas révélée, alors il est caché dans l'herbe. Quand Christ ne s'est pas révélé, alors tu vas vivre dans l'ignorance. C'est pourquoi quand il est allé vers les docteurs, chacun a dit, j'ai l'un des anciens, j'ai l'un des prophètes, j'ai l'un des ceci. Les grands sacrificateurs ont tapé à côté. Mais quand un pécheur, alléluia, qui ne connaissait rien, quand un pécheur, qui n'avait pas vraiment un doctorat, au nom de Simon, Simon Pierre, quand il est arrivé, quand il a regardé Jésus, tu es Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant. Tu es Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant. Comment il a compris? D'où il a reçu la révélation? Jésus a donné la réponse. Ce n'est ni la chair et le sang, mais mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé. Sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. L'église aujourd'hui doit être bâtie sur la révélation. Une église qui n'est pas révélée, c'est que Jésus ne les connaît pas. Est-ce que nous avons le Seigneur Jésus? Quel est-il? Quelle heure est-il? C'est le temps du soir. C'est l'heure où l'époux doit recevoir une révélation spéciale. C'est une parole qui est différente de toutes les paroles. La révélation des mystères a dévoilé qui était l'église catholique. La mère des prostituées a dévoilé qui était l'église prophétique. La première fille de l'église catholique a démontré comment ils étaient en train de prostituer à la parole de Dieu. En train d'instruire à l'église une doctrine qui n'est même pas la doctrine apostolique. Mais si ils sont des descendants de Pierre, mais Pierre n'a jamais prêché les choses qu'il prêche. Pierre n'a jamais prêché le baptême au nom du Père et au nom du Fils. Pierre a prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Mais comment ils prêchent au nom de trois dieux? Ils ont manqué la révélation. Mais au temps du soir, ils sauront comment ils sont perdus. Au temps du soir, les élus sortiront de partout pour recevoir ce message. Parce que ce message, c'est la clé pour l'enlèvement. Ce message, c'est la clé pour la résurrection. Ce message, est-ce que vous dites amen? Eh mes frères, restez dans ce message. Dans ce message, il y a le vrai Dieu. Alléluia. Est-ce que toi tu es révélé? Quand tu es révélé, tu ne viendras même pas à l'église en retard. Quand tu es révélé, avant même l'ouverture de la porte de l'église, tu es là. Quelque chose est en train de bouillonner dans le cœur. Mais tu ne viendras pas à l'église comme on te pousse. Mais tu viendras à l'église étant un homme incroyant vivant, avec son cantique dans la bouche, avec la méditation intérieure. Mais s'il ne vient pas prier, il sera malade. Est-ce que vous dites amen? Parce qu'il est révélé, parce qu'il est baptisé du Saint-Esprit.
qui est révélé, tu les verras. Parce qu'il a la première place dans ton cœur. Tu les verras. Parce que tu les loues tous les jours de, ta vie. Tous les jours de ta vie, tu les loues. Tous les jours de ta vie, tu les adores. Tous les jours de ta vie, tu les sers. Il est ta joie. Il est ton cœur. Il est ton bonheur. Il est ton tout à tout. Aucun sorcier ne pourra t'avoir. Parce que tu es en Jésus. Parce que tu es révélé. Parce que tu es révélé. Quand Pierre a reçu cette révélation, toutes choses devaient maintenant marcher dans la vie de Pierre. Est-ce que vous savez que toutes choses commençaient maintenant à marcher? Et Pierre ne voulait plus les quitter. Pierre ne voulait plus quitter Jésus. Amen. Amen. La vie chrétienne, comme mon Christ, devait être la priorité des priorités. Aller à l'église devait être la priorité des priorités. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? S'il n'a pas la première place dans ta vie, alors c'est fini pour toi. Quelle heure est-il? Au temps du soir, la lumière apparaîtra. La lumière du temps du soir, c'est le message. C'est la révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Voyez mes frères, pour aller vite au son de la trompette et je vous libère. Écoutez. Ici, dans la prédication ici, quelle est cette attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 1965. Paragraphe 148, lisons le prophète. C'est lui le révélateur. Qu'est-il arrivé sur le Sun City Mountain? Amen. Amen. Et Dieu confirma. Alors, Dieu confirma. Amen. Amen. Je dois finir cette citation. Remarquez. C'est Dieu confirma de nouveau sa parole promise dans Apocalypse 10:1-7. Et au jour de la proclamation du message du septième ange, le mystère de Dieu devra être terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 10:1-7. Les derniers messages au dernier âge de l'église. C'est là accompli exactement Luc 17:30. Est-ce que vous écoutez le prophète? Dans cet âge, le jour où le Fils de l'homme sera révélé, c'est ça Luc 17:30. Quelque part il est dit, le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Écoutez, beaucoup se sont embrouillés dans Luc 17:30. Ils ont pensé que l'apparition c'est la venue. C'est faux. Prenez avec moi. Dans la prédication, la persévérance. Prêchez le 8 juin 1962. Paragraphe 95. Les pauvres disent, saviez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur et aussi de la venue du Seigneur? Et que ce sont deux œuvres différentes. Sondez cela et voyez si c'est vrai. L'apparition et la venue sont deux choses différentes. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Il apparaît parmi son peuple. Nous le voyons dans ses mêmes yeux. L'apparition, son Saint-Esprit. Mais sa venue, c'est là dans un être physique. La lumière n'est pas un être physique. La lumière est un être surnaturel. Est-ce que vous me comprenez? Le physique, c'est ce qu'on peut toucher. Ça c'est pas le physique. Ça c'est pas le physique. Ça c'est pas le physique. Mais c'est quoi? C'est le surnaturel. C'est le
être spirituel. Alors mes frères, une venue sera dans un être physique. Ce sera pour enlever l'église. Mais vous voyez, nous avons parcouru la parole. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, l'église entre dans une commission. Prête dans la tente. Les offices et les offices de l'église atteignent ce niveau. Les docteurs occupent leur place. Les dons se manifestent. C'est ça l'apparition. C'est ça la révélation du Fils de l'homme. C'est Dieu dans la chair humaine. En train de révéler les secrets. En train de prophétiser. En train de révéler la parole. C'est ça l'accomplissement de Luc 17 et 30. Le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Est-ce que vous dites Amen? Le jour où le Fils de l'homme sera révélé. La révélation du Fils de l'homme, c'est la manifestation surnaturelle de la personne de Christ. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit. Qui a intronisé la dispensation du Saint-Esprit? C'était le Fils de l'homme. Quand son ministère a pu faire, il a dit je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Il a préparé l'ange du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, le messager du temps du soir, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Le bonhomme dit, le Saint-Esprit veut dire le Fils de Dieu. Nous sommes maintenant dans le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Un homme aujourd'hui pour prêcher la parole, il doit avoir le Fils de Dieu, il doit avoir le Saint-Esprit. Sinon il ne peut pas manifester Christ, il ne pourra pas manifester la parole. Pourquoi? Parce que aujourd'hui un homme et un père de Dieu ne prêchera pas la parole selon lui, mais c'est le Saint-Esprit qui va prêcher. C'est pourquoi quand il prêche la fausse doctrine, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Le Saint-Esprit dira la vérité. Le Saint-Esprit ne prêchera pas le troisième mandat. Le Saint-Esprit ne prêchera pas le troisième testament. Le Saint-Esprit prêchera la vérité. Tout le monde peut relire les gens. Mais c'est pas ça la raison. La raison c'est de dire la vérité. Mais c'est au Saint-Esprit de dire la vérité. C'est pourquoi mes frères et sœurs, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont arrivés, mais ils demandent encore le Saint-Esprit. Qui les avait enlevés? Qui les avait enlevés? Celui qui enlève, c'est le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit vous enlève, pourquoi demander encore le pardon du péché? Va voir ton frère, va réparer avec ton frère. Et quand l'enlèvement a eu lieu, il n'y a plus de pardon. L'âge change. Jésus quitte le trône de l'intercession. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça de fausseté. Dans la persévérance, paragraphe 96. Écoutons les prophètes. Le Seigneur apparaît donc maintenant parmi son peuple avec des grands signes et des grands prodiges, ressuscitant les morts, guérissant les malades, faisant les mêmes choses qu'il avait faites, qui n'ont pas été accomplies pendant 2000 ans. Vous voyez, l'église a fité. Sera élevé jusqu'au temps où la pierre de fête viendra à la rencontre de l'église, jusqu'au temps où il y aura l'enlèvement.
de sa venue. Il dit, Paul est venu. La cause était mourir à la croix et racheter. Deuxième venue. La cause est de enlever. C'est là que Branham dit. Dans la seconde venue, c'est là Pierre Jésus qui marche sur la terre. Et nous l'avons vu à la montagne de Ngamakoso. C'est pas lui. Ne le suivez pas. Il dit dans la seconde venue, c'est un Thessalonicien 4. Nous serons enlevés et nous les raconterons dans les airs. Les airs, c'est pas la terre. Les airs, c'est l'espace. Et Dieu sait comment ça va se faire. C'est pas sur la terre. Dans les airs, nous les raconterons. L'épouse sera enlevée à la rencontre de l'époux. Mais cette épouse-là a raconté son époux sur la terre. Et quand ils ont prêché le fils de l'homme, ils ont présenté Branham. Fait de Branham, fils de l'homme, c'est fait de Branham antichrist. Et c'est là que Edgar Lera dit, moi j'ai peur de la plénitude dans l'homme, mais j'adore. Mais vous dites que la plénitude est en lui, et vous dites que vous n'adorez pas. Il dit, mais c'est vous les hypocrites. Et j'ai dit, c'est entre vous, hein. Réglez ça entre vous. Celles qui sont les hypocrites. Quand toute la plénitude de la divinité demeure au sort de Pierre, ce sort devient automatiquement Dieu à chacun. C'est pourquoi Branham dit, la plénitude de toute la divinité corporellement, veut dire, l'oreille était devenue Dieu, sa main était devenue Dieu, ses pieds, sa chair étaient devenus Dieu. Est-ce que tu dis Amen? Quand cette plénitude de la divinité s'était tabernaquée dans la colonne de feu, le feu là est devenu Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il descend, alléluia, c'est un feu dévorant. Et quand il descend maintenant, Jésus le Saint-Esprit, il dit, je suis venu du Père, je retourne au Père. Sa forme est de la paternité. Sa première forme, depuis que Dieu avait créé l'univers, Dieu n'avait jamais eu un corps de chair. Mais l'enveloppe de Dieu, c'était la lumière. C'était le feu. C'était une colonne de feu. C'est là que Branham dit, ça c'est sa forme à l'esprit. Et c'est là que Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père. Si vous voyez cette colonne de feu, vous avez vu le Père. Si vous voyez la chair de Jésus, le fils de l'homme, c'est le Père que vous avez vu. C'est pas deux personnes. C'est une seule personne. Dieu n'a pas deux corps. Dieu n'a qu'un seul corps. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que Jésus est allé dire, à tout moment que vous voulez demander quelque chose au Père, faites-le en mon nom. Et cela vous sera. C'est le nom de Jésus qui a annulé le péché. C'est le nom de Jésus qui a annulé les échecs. Et c'est le nom de Jésus qui a donné la victoire. Convaincu puis concerné. Dans toutes ces choses, il faut donner des preuves. Prêchez le 21 mai 1162. Paragraphe 60, il dit, remarquez, il y a une très grande différence entre le signe de l'apparition de Jésus et puis la venue de Jésus. Ah, maintenant il apparaît. Et nous avons le signe de l'apparition. C'est le signe qui atteste que Jésus arrive. Et ce signe est arrivé avant la destruction de Sodome. Ces signes-là sont arrivés ici. Il a touché même les problèmes d'Abraham et de Sodome. Parce que quand il fait ces choses-là, il fuit se cacher à Abraham et Sodome.
L'église cache là-bas. Il rentre encore dans la forêt. Et il ne sort plus. Écoutons. Dis bon, l'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Quand il apparaît parmi son peuple, son esprit agissant parmi eux, confirma qu'il est avec eux, les préparant pour l'enlèvement. Quand il apparaît, un témoin, Luc 17:30, c'est l'apparition du Seigneur. Il préparait les bouts à l'enlèvement. Il dit maintenant, ce que nous devons faire, si nous pouvons croire cela et être concernés à ce sujet, d'abord, nous devons être convaincus que c'est Dieu. Ensuite, quand nous sommes convaincus, alors nous sommes concernés. Amen. Amen. Et pour aller vite, amen. Le son de la trompette, il est 18h. Je peux parler même de 10-15 minutes et nous partons. Amen. Amen. C'est 15e mystère. 14e, nous avions parlé du retour de la colonne de feu. Alors, prenez dans Apocalypse 1, 10 à 19. 10 à 19, il dit, je fus ravi en esprit. Jean toujours dans l'île de Patmos. Au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Comme le son d'une trompette. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux sept églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ce chemin n'est pas fabriqué. Ce chemin est divin. Et est biblique. Et la toute révélation qui n'a pas de racines bibliques, jette-toi à la poubelle. C'est lui-même le prophète qui l'a dit. Il dit, jette cela à la poubelle. Si moi j'apporte une révélation, qui soutient cette révélation. Et quand ils ont prêché le troisième matin, ils ont eu un verset biblique. Aucun verset. Mais je peux leur donner un verset dans 1 Corinthiens qui parle du second et du dernier Adam qui est Jésus Christ. Et Paul dit qu'il soit un ange du ciel. S'il nous apporte un évangile contraire à ce que nous nous avons prêché, qu'il soit à la terre. La parole. Même quand la révélation est venue, c'était le fait de joindre l'écriture à l'écriture. C'est là que Branham joignait l'écriture à l'écriture. Et pour joindre l'écriture à l'écriture, il faut que ça soit le Saint-Esprit. Sinon, tu vas rentrer dans la forêt. Et tu ne ressortiras plus jamais. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux sept églises. C'est pas fabriqué. Éphèse, Smyrne, Pergame. Les sept églises en préfiguration des âges de l'épouse. Parce que Dieu maintenant. Pourquoi l'épouse? C'est à cause de Ève que le monde était tombé dans le péché. Est-ce que vous me comprenez? Elle était la première dame de toute la création. Aujourd'hui, et ce jour-là, la création avait un Adam avec une Ève. Quand les deux étaient tombés, toute la création était tombée. Et Dieu revient sur le même principe pour ramener la créature à la vie. Il devait susciter une épouse spirituelle et un autre Adam. Celui que nous appelons le second Adam. Cette fois-ci, Satan ne peut plus le vaincre. Parce que l'épouse, elle est une épouse de la parole. La danse est la parole toute entière. Aujourd'hui, cette épouse et cette épouse ne pourront plus jamais tomber. Dieu ramène la vie à la créature par l'épouse et l'épouse. Au commencement, c'était la même chose. L'époux et l'épouse ont fait tomber le chaos. Et Dieu ramène la vie à l'époux et l'épouse. L'époux du Seigneur Jésus n'est pas juive. C'est vrai que dans ses membres, vous voyez aussi des juifs qui étaient des pères spirituels.
pas de Paul, ce n'est pas des gentils. Est-ce que vous me comprenez? Ils étaient de là-bas. Et ils sont des serviteurs. Est-ce que nous comprenons bien la révélation? Alors Dieu aujourd'hui, il prend des différences là, des différents pères pour faire une épouse. Et Dieu lui présente un âge de l'épouse. Et Dieu commence à restaurer l'histoire du monde dans l'âge de l'épouse. Et les visions de Patmos étaient des visions qui concernaient toute la Bible. Et l'Apocalypse a synthétisé toute la Bible. Parce que le Seigneur a montré à Jean les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Même la semence du serpent a été traitée dans les livres de l'Apocalypse. Est-ce que nous disons amen? C'est pourquoi, quand il presse quelque part, dit que Jésus est une clé de voûte. Il a relié et l'Ancien et le Nouveau Testament pour placer le parfait. Et c'est là qu'il dit, sans nous, elle ne parvenait pas à la perfection. Et Jésus est venu pour l'épouse. Jésus est venu pour sauver le monde entier. Amen, amen. Amen. Quand il enlève l'épouse, il continue le travail. C'est jusqu'à mettre fin. Parce qu'après tout, il est l'alpha et l'oméga. Allez vite. Verset 12, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe, et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. Et sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. C'est la parole. Et son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brille dans sa face. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. En disant, ne crains point. Je suis le premier et le premier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mahomet qui détient ça. Ce n'est même pas Branham qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est même pas le pape. Ce n'est même pas moi. Mais c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et qui donne les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Amen. Maintenant, la voix était semblable au son de la trompette. Le prophète dit, c'était la trompette. Voilà la révélation. Amen, amen. Amen. Jean a dit, la voix ressemblait au son d'une trompette. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et quand la révélation des sons descend, alors quand le prophète regarde, pas que cela ressemblait, Jean a donné une réponse, mais une réponse qui n'était pas complète. Parce que ce n'était pas au jour de Jean qui révélait ces choses. L'ange qui avait la conscience sur sa tête avait juré par lui. Ça sera au jour de la voix du septième. Quand il annoncerait, il va annoncer quoi? La parole. Quand il annoncerait, le ministère s'accomplira. Maintenant, le septième ange a annoncé. Moi, j'ai assemblé ma vie. Les mystères se sont accomplis. Ma bonne maman, quoi qu'il s'en mette. Les grands pasteurs, avec un français raffiné, il vient ici, il dit à faire en eau, les tonnerres ne sont pas réveillés. Mais quand il dit les tonnerres ne sont pas révélés, il rentre encore dans la brousse. Il dit l'enlèvement à Yuli. Mais
qui amène, ce qui ramène l'enlèvement, c'est la révélation des tonnerres. C'est ça qui rend la foi de l'épouse consistante. Quelqu'un dont il y a encore le travail, comment il peut partir à l'enlèvement? Même s'il faut prendre l'exemple de Joseph avec ses frères, jusqu'à ce que le dernier vienne avant que vous rentriez. Le dernier doit croire. Il doit recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller à l'enlèvement sans le Saint-Esprit. C'est lui qui produit l'enlèvement, c'est la révélation de toute la parole. Et quand toute la parole est révélée, il n'y a plus rien à faire. Le match est scellé. Et le coup de sifflet de l'arbitre est retenti. C'est fini. Oh, l'arbitre a sonné la fin de match. Mais il y a des joueurs qui continuent à jouer. Botala bango malamo. Botala bango malamo. Botala bango malamo. Botala bango malamo. Bazo monato, bazo monate. Le premier dit c'était la trompette. Et l'évangile. Pour Jean, cela ressemblait. Le septième ange dit c'était la trompette. Le son de la trompette signifie la trompette de l'évangile. Autrement, ce message est un appel d'urgence. Quand Jésus a sonné la trompette, les bateaux ont marché. Quand Jésus a sonné la trompette, il a prêché la vérité. Si vous ne buvez le sang et ne mangez la chair du Fils de Dieu, c'était la trompette. Et quand William Branham a sonné la trompette, est-ce que vous dites amen? Quand il a sonné la trompette, le secret des cœurs des gens, les premiers poules s'est manifesté. Deuxième poule s'est manifesté. Troisième poule, c'était la révélation de la parole. Ce qui est caché dans tout ça, c'est l'arrivée du Seigneur Jésus. Le jour et l'heure, il a dit à personne. Est-ce que vous dites amen? Tous les mystères qui concernaient l'église, les poules, il n'y a plus rien de caché. Nous sommes au 15e mystère. Il y avait un moment où j'ai prêché ici. Je vous disais, ça c'est écrit, ça c'est pas écrit. Ça c'est écrit, ça c'est pas écrit. Mais ce qui n'est pas écrit, c'est l'éternel. Et Branham a touché à ça. Il a donné. Mais ils n'ont pas vu. Nous sommes au 15e mystère. C'est que nous avions parlé beaucoup de mystères qui étaient censés être traités par le 7e ange. Et c'est là qu'il dit que les sceaux qui sont à l'intérieur ont révélé les sceaux qui étaient au-dedans. C'est ça qui donnera à l'église la foi de l'enlèvement. Il dit c'est quoi la foi de l'enlèvement? C'est la même foi que nous avons sur la guérison divine. Vous multipliez des milliers de fois et cela vous enlève de la terre. Donc si quelqu'un ne croit pas la guérison divine, ça sert à rien de dire qu'il a enlevé, ça sert à rien de prêcher l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, il faut d'abord avoir la foi des miracles. Et la foi des miracles va se multiplier et vous amener dans l'enlèvement. Quelqu'un qui ne croit pas au miracle, il ne peut pas parler de l'enlèvement. Et il ne recevra pas aussi la foi de l'enlèvement. Je vais entendre les amens. C'est la vérité, c'est la vérité. Il dit, j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Jean était dans l'esprit. Et à ce moment-là, il a vu le grand et merveilleux jour du Seigneur. Jésus. Et toute sa sainte puissance. L'avenir allait être dévoilé. Car Dieu s'est préparé à l'enseigner. Jean ne dit pas que c'était une trompette. Elle était semblable au son d'une trompette. Je vous ai dit, même quand il a vu un fils de l'homme au milieu de cette chandelle, Jean a dit, j'ai vu quelqu'un ressembler à un fils d'homme. Mais quand Branham a regardé, il dit non, c'était le fils de l'homme. Maintenant, nous sommes dans l'âge de précision. Est-ce que vous me comprenez? La révélation donne la précision. Il rend la parole stable. Et pour perfectionner les croyants.
Amen, amen. Amen. Les gens se retournaient pour voir. Ils voulaient voir la voix qui parlait. Il vient les sept lampes. Il vient les sept chandeliers. Il vient les anges de l'épouse. Est-ce que je me fais comprendre? Et Christ est là et envoyé aux sept églises. Amen. Amen. C'est ce que nous appelons la lettre d'amour. Écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. De l'église de Pergame. De l'église de Thyatire. Voici ce que dit l'Amen. Voici ceci et cela. Tu as perdu l'amour que tu avais. Tu deviens charnel. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu commences à élever des femmes. C'est dans les âges, il y avait des esprits. Là il y avait l'esprit de Christ, il y avait aussi l'esprit des faux prophètes. C'est comme dans cet âge. Nous avons les faux prophètes et un seul vrai prophète. Les faux messages et un seul vrai message. Tout ça, ça est dans l'âge. C'est pourquoi il dit les sots traités de troubles religieux. Il y avait les troubles religieux. Tu vois un cavalier qui n'a pas de nom. Mais on va les chevaucher. Et il s'appelle. Amen. Rien. Mais sur un cheval. Nicolas Punda. Amen. Amen. Et c'est là qu'il a parlé de nicolaïsme. C'était interdit. Mais c'est devenu une doctrine. Et alors ça a pris une forme d'une doctrine. Et c'était la manière dont que Satan venait dans les églises. Il a dit pour ce yamémé. Il a dit pour ce yamémé. Mais voté ma yankoui. Voté ma yankoui. Aïe pour la copé bissa. 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 A mati na punda ya pembe. Aïe na punda pembe. Aïe zale qui m'obomi. Aïe zale qui fait. Ça ne faisait que changer de couleur jusqu'à pas la couleur de la mort. Autrement, la fausse doctrine ça tue. La fausse doctrine ça tue. Plus que les armes chimiques. Plus que les armes atomiques. S'il y a quelqu'un à craindre aujourd'hui, ce n'est pas Poutine. Ce n'est pas Joe Biden. C'est le faux prophète. Je vais entendre les amis. Parce qu'il va tuer les hommes avec Dieu mal compris. Il va placer les choses et il va dire que c'est Dieu. Pourtant, ce n'est pas Dieu. Ne trompez pas au nom de Dieu. Il faut dire exactement ce que la voix vous a dit. Si la voix ne vous a rien dit, ne dis rien. C'est dangereux de tromper au nom de Dieu. Mais ces églises-là ont trompé au nom de Dieu. Mais c'était pas Dieu au fond. Les sots leur ont dévoilé. Ils sont au milieu de mon peuple. Amen, amen, amen. Amen. Sauter au milieu d'elle. Qu'est-ce qu'il propageait comme doctrine? Je vous salue, Marie. Je fais ceci. Amen, amen. Amen. Et tout ça, priez pour nous. Marie n'est pas une médiatrice. C'est Jésus qui est le médiateur. Amen. Amen. Ils sont sortis de la ligne, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse 1:12, il dit. Et je vais retourner pour voir la voix qui me parlait. Et quand je retournais, j'ai vu cette chandelier d'or. Et version, il dit. Jean n'a pas dit qu'il était retourné pour voir celui dont il entendait la voix. Mais qu'il s'est retourné pour voir la voix. Il s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne sont une seule et même chose. Jésus est la parole. Jean 1:1. Amen. Amen. Voyez mes frères. Et si vous pouvez réellement voir la parole, vous verrez Jésus. Et quand la trompette rend un son conflit, c'est un des grands problèmes aujourd'hui. Si la trompette a rendu un son réel, les œuvres de Christ allaient accompagner. Mais quand la trompette rend un son de confusion, amen. Amen. Ça produit des âmes sauvages. Ça produit des gens perdus. Parce que ce que ça proclame n'est pas la vérité. Amen. Les églises à l'époque de Jésus ne reconnaissaient pas les sons. Regardez ce que les églises avaient fait.
Ils étaient devenus ecclésiastiques, inscrits, intelligents, rusés. Elles avaient pris tous les commandements de Dieu et elles avaient fait des traditions. Regardez, il y a des églises aujourd'hui qui dansent les mabines en boca en pleine église. Amen, amen. Amen. Qui ont fait de l'église une tradition. Ils sont sortis de la Bible. Amen. Amen. Ils ont annulé les commandements de Dieu. Tout à l'histoire révélée à la parole. Je lui ai dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par vos traditions. C'était des hommes saints et justes qui ne pouvaient même pas voler. Qui marchaient dans la crainte, on les appelait les sacrificateurs. Et parmi eux, Jésus a dit, vous avez comme père le diable. Simplement, ils ont manqué la révélation. Ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Et ils l'ont tué. Amen. Amen. Et lorsque Jésus est venu, il a sonné la trompette du Messie. Ils n'ont pas reconnu cela. Pour eux, c'était un son confus. Ils ne savaient que croire. La même chose, il dit, croyez-moi, la même chose se passe de nouveau. L'évangile sonne dans la pureté de sa parole et de sa manifestation. Il y a quand même des croyants qui continuent à dormir. Au lieu de se chauffer dans les bancs pour soutenir ce Jésus, c'est mais ils continuent à dormir, Jésus. Et ça va continuer à dormir. C'est comme s'ils n'ont pas entendu le son de la trompette. Quand Jésus a sonné la trompette, les morts étaient ressuscités. C'était la manière de Dieu d'attirer l'attention des gens à la parole. C'était la manière de Dieu de ramener les gens à la parole. Mais qui pouvait reconnaître que c'était le vrai Dieu? C'était la vraie parole. C'est pourquoi Dieu a besoin des élus. Le message n'est pas venu pour tout le monde. Nous pouvons forcer les gens à devenir membres de notre assemblée. Mais s'ils n'ont jamais été élus du Seigneur, ils vont retourner dans le monde. Parce que sa place ne sera jamais ici. Et nous ne sommes pas à la recherche d'un grand peuple. Nous sommes à la recherche des élus du Seigneur. Parfois, ils ne sont pas nombreux. Que celui qui vient, il écoute la parole. Celui qui ne veut pas, il va rester chez lui à la maison. Nous sommes à la recherche des élus du Seigneur. Ceux qui entendent le son de la trompette, ceux qui reconnaissent que ce qui se passe ici, c'est pas humain, c'est surnaturel. Ceux qui prennent de la valeur et qui donnent de la valeur au message qui est prêché en ce lieu. L'évangile n'est pas venu pour tout le monde. Sinon Jésus allait ramener tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y avait pas beaucoup de gens. Noé a prêché. Il n'a eu que 3 personnes. 8 personnes plutôt. Au temps de Sodome, il n'y a eu que 3. Et la Bible dit ce qui était. Ça sera pareil. Beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Nous ne sommes pas à la recherche de masse de gens. Nous sommes en train de chercher les élus du Seigneur. Et Jésus leur a dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'avait même pas 1000 croyants dans son église. Même pas 500 croyants dans son église. Est-ce que vous me comprenez? Mais il était Dieu. Ce monde est rempli de incrédules. Ce monde est rempli de gens qui n'aiment pas Dieu. Si Dieu peut trouver des gens qui l'aiment, si Dieu peut trouver des gens qui le croient, il fera de vous des dieux. Il fera de vous des boules de feu. Est-ce que vous me comprenez? Qui sont ces gens-là aujourd'hui? Qui donnent leur vie pour la parole? Qui donnent leur vie pour l'évangile? Qui ont écouté le son de la trompette? Qui sont restés fidèles? Qui ont soutenu ce message? La plupart ne sont pas stars. Aujourd'hui, il va dire, pasteur, tu as bien prêché. Mais demain, c'est le premier qui va fuir. Mais demain, c'est le premier qui va rester. Et il va oublier toute chose. Moi, je ne les condamne pas.
Je sais qu'il y a l'amnésie spirituelle. C'est un vaccin de Satan. De l'oubli. S'il vous injecte ça, mais les élus ne seront jamais sauvés. Si tu es un élu, tu ne resteras pas chez toi. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Mais nous restons autour de ce message. Soutenir le message avec les amens. Continuez à prier. Et nous allons au ciel. Et nous irons au ciel. Est-ce que vous dites amen? Ça ne sert pas de faire le passe-temps. Le jour où je lis cela, sa trompette. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, le pays tout entier, les villes ont été bouchées. Un aveugle qui s'appelait Bartimée a découvert la vue. C'est ça l'évangile. Amen. Amen. C'est pas dans notre église. Nous avons la parole. Mais quand la parole n'est pas confirmée, ce n'est pas la parole. Les signes accompagneront. Les signes confirmeront que c'est Dieu qui est dans ces messages. Même si tu prêches raffiné. Même si tu prêches bien plus qu'un docteur, comme un docteur. Mais si les signes ne confirment pas, c'est toujours zéro. Yesu ayebi yote. Amen. Lola Esaïa yote. Jésus a fait retentir sa trompette. Il a montré par des signes et des prodiges qui était le Messie. Il leur a dit, si vous ne me croyez pas, les œuvres que je fais témoignent de qui je suis. Si tu dis que pasteur Paul c'est un homme mauvais, mais croyez-moi aux œuvres, parce que les œuvres sont de Dieu. Les œuvres attestent de qui je suis. Jésus leur a dit, croyez au moins aux œuvres. Car les œuvres parlent de moi. Amen. Amen. Ces esprits-là, si cela vous attrape, vous deviendrez aussitôt rebelle. Écoutez. Mes brebis connaissent ma voix. Pas la voix d'un étranger. Amen. Amen. Personne ne peut le ravir de moi. Tout cela que le Père m'avait dit viendront à moi. Nous n'avons pas à faire le lutte de croyants. Tu peux en avoir 10 000. Et à combien les sauver? L'église catholique a là des milliards. Et à combien les sauver? Si tu as 20 000. Et qu'il n'y a qu'un seul sauvé. Il n'y a aucun sauvé. Amen. Amen. Et que moi j'ai 10. Et j'ai tous les 10 sauvés. Je suis heureux. Est-ce que je me fais comprendre? L'Ikamone proclamation à Bac. L'Ikamone proclamation à Bac. Amen. À telle école, là, il y a 200 élèves. Mais Badji Boni. Badji Boni. Amen. L'enlèvement, hein? Bilelo et Kozala. Bilelo et Kozala. Yes, on va le voir. Ngaï la yébi yote. Ngaï la yébi yote. Yo nani na yébi yote. Oh, ancien motati na kina na évangélisation. Bila ancien. Bila ancien. Ngaï vana consacré yo. Il faut na la sûre que nous avons l'obéli. Amen. 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 Et même si on donne demain le vide, la fin de l'année, je dois d'abord voir, longtemps, je dois voir que c'est Dieu. Sinon, la retire ma boko dans l'école. Amen. Amen. Mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Le prophète dit, la voix c'est quoi? La parole. Mes brebis connaissent ma voix. La voix c'est quoi? Pas le son de la confusion. Le son réel de la parole. Message Ezolo à Bosolo. Amen. Message à l'Okutate. Badji, ma photo à Jésus, ma boaki. Badji, aboué.
Baji photo ya Branham batiawa. Alati photo ya Branham. Branham alobi moto abixaki komo na Jésus Christ. Amen. Branham alobi atwa ki Saint Esprit. Amen. Mais Jésus nde mo pesi ya Saint Esprit. Amen. Jésus alali mo pesi ya Saint Esprit. Amen. Saint Esprit eza eloko na ye. Akoki ko pesa yo pe akoki ko pesa yo te. Oui. Jésus c'est le donateur. Jésus n'est mon père. Mais Bouila Branham a dit, moi aussi j'avais reçu le Saint-Esprit chez les donateurs. Tiens mon Sakoru la place na ye. Tiens Jésus la place na ye. Amen. Tiens pasteur la place na ye. Mais moi tiens Mandibi la place na bango. Amen. Bongo Saint-Esprit a ko kamba biso. Amen. A ko bunde la biso. Bon linga Jésus. Je n'ai jamais eu l'intention d'apporter aux gens un message, les ramener à me suivre, ni à se rattacher à mon assemblée. Mais je leur présente Christ. Je m'efface et je leur présente Jésus. Celui qui nous avait sauvés, son nom c'est le Seigneur. Quand vous avez un problème, belle-là, jamais un pasteur n'a eu comme on a eu. Jésus Christ. Nzambe à Branham, comment on a eu? Jésus Christ. Nzambe à ma pasteur, comment on a eu? Jésus Christ. Comment Moussou soute? Amen. Frère Olivier, la zomolo li soute. Parole, il dit, voyez, et la parole a été faite chère. Et il habitait parmi nous. Donc, une véritable brebis de Dieu entend la voix et la parole. Qui entend ma, mes brebis entendent ma voix. Ma fausse doctrine était il l'oba ou il l'oba vérité. Peut-être que matin, matin, à l'okuta, comme il y a un peu de temps, il y a ma brochure. Sinon, il y a trouvé ma vérité. Oh, il y a un peu de temps. Lisez les brochures. Allez découvrir beaucoup de vérités. Et dites amen à ce que vous trouverez dedans. Bâti bango la ba poche. Et parmi ma pasteur, voilà, Missus va poisonner Baninga. Parce que ma terre est ma vie. Mon livre au père Satan. Il y a la haine. Amen. Pasteur, mon bimba comme matin la chair, car comme ma pasteur. Pasteur est tel à ma vie. Pasteur est tel. Mais yo message na yo eza ni. Te ya message. Ce que vous avez promis à ma pasteur, kenda ko mona bango. Mona eloba mon frère, au sage logo moko yaki ma be. Mais ne monte pas la chair pour dire tes pasteurs. Ce que mon pasteur a ma be. Mona e a bongi sa na e. Amen. Pasteur moi te. Bwebi église o eza na. Boy église, yoza pasteur, toza pasteur te. Amen. Te abiso parole. Ti kabiso église wa. Amen. Amen. Laisse la parole juger. Ti kali lobe sambisa. Dès aujourd'hui, je commence à m'atterrir, il est à peine 19h. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour d'incertitude. Il est dit ici, si la trompette roi son confus, qui se préparera au combat? Paul en parlant s'adressait à ses Corinthiens. Et beaucoup d'entre eux étaient des soldats à ce jour, dans l'armée romaine. Si donc la trompette rend un son confus, qui se préparera? Il vous faut avoir la certitude. Quand le septième ange a sonné la trompette, c'est là que la guerre a été déclenchée. La guerre des écritures. La guerre des doctrines. La guerre de la parole. Nous sommes en plein guerre. Il est écrit, il est aussi. Il est écrit, il est aussi. Jusqu'à ce que nous allons à l'éternité. Alléluia! Est-ce que tu dis amen? Quand le septième ange sort la trompette, il proclame le message du temps de la fin. C'est une guerre qui est déclenchée. Les dénominations attaquent le message. Amen. Les faux prophètes attaquent ce message. Mais le message avance. Parce que si tu as le vrai billet, tu n'as pas peur du test. Mais eux qui ont des faux billets,
Est-ce que vous dites amen? Nous avançons avec le vrai billet. Nous avançons vers Sion. Nous avançons vers la terre promise. Nous avançons vers l'élèvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes brebis entendront ma voix. Pas la voix d'un étranger. C'est là que la révélation vient. Et la voix, c'est quoi? C'est la parole. C'est le son de la trompette. C'est l'évangile. C'est la vérité de la parole de Dieu. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême n'est pas au nom du Père. Le baptême n'est pas au nom de William Branham. Le baptême est au nom du Seigneur Jésus. Mais maintenant ils ont même laissé le nom de Branham. J'ai entendu Bakobi qu'on baptisait au nom de Joseph. Bazo Kenawapi. De pire en pire. De pire en pire. De pire en pire. Aucun bas n'a pas toi là. Pour engager ma débat et parole n'a pas goûté. Bazan un virus. Ce qu'on a la Saint-Esprit de Bakotoyo. Amen. Bazan un virus. Boti Kabango à distance. Oh frère, yako l'axanga et pété na bungite. Yo moko ebinzela ok. Oh mais peut-être la bougie. Yo moko ebinzela ok. Kena kena kena. Je n'ai pas le temps. Le son de la trompette, c'est la proclamation du message du temps de la fin. C'est là que le ministère d'Élie ramène le cœur des enfants au Père. Nous sommes toujours à la doctrine de Père. À la doctrine apostolique. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à l'évangile, à la Bible. Là, le Branham a dit, si c'est de Paul en terreur, c'est le mien aussi en terreur. Quand j'ai prêché comme Paul. Et Paul a dit, s'il vous prêche autre chose, qu'il soit en terre. Et Branham a prêché comme Paul. Paul avait le Saint-Esprit. Vous savez quand l'ange lui a frappé, quand la colonne de feu lui a paru, et la voix lui a dit, va voir un homme au village. Il va prier pour toi. Et quand Paul arrive, l'homme dit, oui, il va parler de toi. Alléluia. Amen. Le Dieu de Paul est en terre aujourd'hui. Cette colonne de feu, Paul l'avait vu, et il sera encore aujourd'hui. Même les frères qui prennent les photos ici, je ne sais pas s'ils voient des choses qui se passent. Ils ont même des photos qu'ils m'ont prises ici. J'ai dit, est-ce que ma moniango? Alléluia. Oh. Bah, dis photo. Exacté. Présence moko et la tiawatu. Et pas seulement une photo. Non, photo mon côté. Donc on l'axe binango. Acclamez le Seigneur. Donc on a encore le supplice. La lobby, est-ce que Baloyo, Bazomo la Makamoyo, Bazomo la thé. Nous avons des anges ici. Nous avons la colonne de feu ici. Nous avons Dieu dans cette église. Et nous voulons des cœurs sincères qui doivent soutenir ce message. Et le Dieu de la Bible sera toujours réel, 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 réel. Il y a aujourd'hui. Nous vivons un jour de grande incertitude. Les gens sont dans l'embarras, ils ne savent pas quelle voie prendre, où aller. Après le midi, prophète, à quel sujet? Mais yo position nous les awapi. Tous les fils de Dieu. Bah, le fils de Dieu ne vaut pas chez les charlatans. Amen. Ne suivez pas le fétichisme. Ne suivez pas la magie. Suivez Jésus-Christ, la parole. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de puissance comme lui. L'avant-dernière citation, amen. Amen.
Et nous sommes dans l'heure où chaque croyant devait se rassurer de ce qu'il mange. Si cela correspond à la lumière du temps. Si cela correspond au message du temps. Dans le procès paragraphe 29. Le poète dit dans Apocalypse 10. Lorsque le septième ange commencera à sonner de la trompette. La trompette c'est la proclamation du message. C'est là qu'il prêche. Il dit lorsqu'il commencera à prêcher. Il s'agit de l'ange de l'église de Laodicée. Qui est censé ramener l'église à la foi de paix. La foi des apôtres. Et lorsque cet ange sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. Je suis en train de lire le prophète. Il dit, quand il proclamera le message, tous les mystères seront révélés. Bozo croire na Branham, to bozo croire na Yete. Oyo ye moko nga Yete. Alobitango, anjou wana ya sambo, ako yulu la kelelo, ako te ya sango na ye, ma bomba mignon so, eko utima la poissa. Amen. C'est ça qui fera que tu deviens un petit Dieu. C'est ça qui fera que tu manifestes le troisième pot. C'est ça qui fera que la parole soit manifestée dans ta vie. Et on commencera à t'appeler cher tonnerre. Frère tonnerre. Et Satan a combattu avec qui maillot. Amen. Pour yo cause à la nguya. Nous avons ensemble la cause à la katina. Amen. Tant que vous amen, parole est côté. On le vient amen, parole est fanée. Amen. 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 Tant que vous amen là. Amen. Parole a commis maintenant que ça la moussala naï. Amen. Parole amen, voilà comme ça la moussala naï. Amen. Oh, il a promis ce qu'il ferait dans les derniers jours. Allah qui a consommé la souka. Il nous a envoyé un message et ce message aurait la même identification qu'avait Élie. Élisée et Jean-Baptiste. Cela ramène le cœur des gens. Non pas à la dénomination, mais au père apostolique de Thomas. Amen. Amen. Retenez ceci. Le son de la trompette. C'est le message. C'est la révélation des tonnerres. C'est le fait de ramener la même foi que les apôtres avaient dans l'église d'aujourd'hui. La trompette qui sonne, c'est dans les âges de l'église. Le message qui a été envoyé, c'est dans les âges de l'église. Amen, amen. Amen. L'antichrist aussi a été dévoilé dans les âges de l'église. Et cela nous donne une position. Tu sais là où mettre tes pieds et là où ne pas mettre tes pieds. Tu sais que dire amen, que ne pas dire amen. Tu sais où tu peux aller prier et où tu ne peux pas aller prier. Ce message te rend sage. Ce message te rend prudent. La révélation te rend prudent. Amen. Amen. Cela fera que tu connaisses ta position. Mais retenez et allez avec. C'est le message proclamé par les septième hommes n'a pas été envoyé à tout le monde. Il a été envoyé seulement pour un certain nombre des élus. Quoi qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais le message ira droit aux concernés. Et vous allez voir la différence. Quand un concerné reçoit la parole, la manière qu'il la vive, ça sera différent avec un croyant qui est dans l'ignorance. Parce que lui il est concerné. Parce que c'est un élu du Seigneur. Un élu du Seigneur ne laissera pas le Seigneur pourrir. Un élu du Seigneur va soutenir les choses du Seigneur. Mais si les gens fuient, si les gens abandonnent, c'est qu'au départ, dans le bon comme dans le mauvais jour, soyez toujours le croyant du message. Continuez à soutenir ce message. Ce message, c'est la lumière du temps. C'est la vérité du temps. Il n'y a pas une église aujourd'hui qui peut prêcher la vérité sans ce message. Il n'y a qu'une seule église, c'est ce message. Nous ne travaillons pas pour l'argent. Nous travaillons pour la cause des âmes. Nous travaillons pour qu'il aille au ciel. Pour nous aller au ciel. Et aucune fois nous
nous avions demandé de l'argent, même aux malades que nous prions, aucune fois et nous ne les ferons jamais. Parce que ce message, Dieu nous l'a donné gratuitement. Mais vous qui l'écoutez, soutenez le message. Est-ce que Dieu veut comprendre? Ce n'est pas un péché que tu donnes ton argent pour acheter un micro. Ce n'est pas un péché que tu achètes une chaise. Mais ce n'est pas pour la chaise que nous prêchons. Ce n'est pas pour le micro que nous prêchons. C'est la cause des âmes. L'appel est urgent. L'appel est de repentir. Vous venez. Abandonnez ce cas-là. Abandonnez la méchanceté. Abandonnez le cas de l'ennemi. Devenez le fou. De Dieu, donnez vos cœurs à Dieu, donnez vos vies à Dieu, donnez-vous à Dieu, commencez à prier, commencez à plaider. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse. Saluez-vous. Dis que Jésus-Christ te bénisse, mon frère. Nous allons à Pamolayo, Neko. Prière, mes bien-aimés. Soyez humbles, soyez simples, soyez effacés, et Jésus va vous amener dans la gloire. À la croix, à la croix. Change de cantique. Grâce étonnante. Grâce étonnante.